Le pays du matin calme est fier des 5 millénaires de son histoire et de l'intelligence de son peuple. Pyongyang, capitale qui prospère sous le drapeau des idées du Juche, attend l'ouverture du 13e Festival mondial de la jeunesse et des étudiants. De ce festival, le premier du genre en Asie, on a érigé à Pyongyang de superbes constructions modernes. La ville haute, prête à abriter toutes sortes de festivités sous le signe de la solidarité anti-impérialiste, de la paix et de l'amitié, attend ses hôtes. Les délégués de tous les pays affluent à Pyongyang, animés de l'aspiration à un monde libre et pacifique. Won Young-chol, membre de la délégation des jeunes coréens de l'association des coréens du Japon, est arrivé du Japon à bord d'un yacht après avoir franchi près de 4000 km. À leur tour, de jeunes Polonais à bord de voiliers à travers l'Atlantique, l'océan Indien et le Pacifique. De jeunes soviétiques aussi ont lutté contre la houle. Lim Soo-kyung, délégué du Conseil national des représentants des étudiants de Corée du Sud, est arrivé et décidé à faire du festival une manifestation de dimension pan-coréenne. La foule fait un accueil délirant à cette compatriote qui a bravé les intrigues de la clique fantoche sud-coréenne. Une cérémonie a lieu pour inaugurer le monument au 13e Festival mondial de la jeunesse et des étudiants. Les délégués de tous les pays défilent en se dirigeant vers le lieu de la cérémonie d'ouverture du 13e festival. Les jeunes et les
Les étudiants en lutte contre l'impérialisme, pour la paix et le progrès social expriment leur ferme solidarité avec la cause révolutionnaire du peuple coréen. Citoyens de la capitale dansent pour témoigner aux délégués leur amitié et leur solidarité chaleureuse. Les délégués des cinq continents forment un immense torrent mu par les idéaux d'indépendance, d'amitié et de paix. Les enfants lâchent des colombes et félicitent les délégués. Des cris s'élèvent dans le ciel de la ville haute pour exprimer soutien et solidarité avec la réunification de la Corée, pour glorifier la lutte anti-impérialiste, l'amitié et la paix. Le défilé emplit la route du pont Hongryo au stade du 1er mai et démontre la puissance de l'Union des jeunes et des étudiants de notre temps, engagés dans le combat pour l'indépendance contre l'impérialisme. Le 1er juillet 1989, la cérémonie d'ouverture du 13e Festival mondial de la jeunesse et des étudiants va avoir lieu au stade du 1er mai. À 7h du soir, le camarade Kim Il-sung, grand leader, fait son apparition sur la tribune accompagné de chefs de parti et d'État étrangers, ainsi que du délégué de la commission permanente du Comité international pour la préparation du 13e Festival. Le camarade Kim Jong-il, membre du président du bureau politique du Parti du Travail de Corée et secrétaire de son comité central, y fait également son apparition avec les cadres supérieurs du parti et de l'État. We'll be right back.
ardent sentiment de respect et de confiance anime l'assistance. La cérémonie d'ouverture du festival se déroule solennellement. Ce festival, premier du genre en Asie, est un grand bonheur pour la nation coréenne, de même qu'une fête importante pour toute l'humanité aspirant au Jajusan. De tous les pays entrent dans le stade, débordant de l'émotion des jeunes et des étudiants, épris de justice et de paix. Le festival de Pyongyang marquera un moment important dans l'histoire de plus de 40 ans du mouvement des festivals. C'est un festival politique appelé à resserrer l'amitié et la solidarité des jeunes dans la lutte pour un monde nouveau et libre, un événement qui stimulera la lutte anti-impérialiste des peuples et le triomphe de la souveraineté dans le monde. Sont transportés de la joie de participer à la grande fête de l'humanité. Ils sont animés de l'ardent désir d'éliminer une fois pour toutes le vieil ordre caractérisé par la domination, l'asservissement, l'exploitation et le pillage, et d'édifier un monde nouveau, libre et pacifique. Expriment leur volonté d'intenter, au nom de l'histoire, un procès aux impérialistes qui préparent une guerre nucléaire et se livrent à des tentatives d'intervention, de subversion et d'agression.
ainsi resserrer sans cesse leur amitié et leur solidarité dans la lutte pour la paix, la démocratie, la libération nationale et le progrès social sous le drapeau de l'anti-impérialisme et de l'indépendance. De leur volonté de lutter jusqu'au bout contre toutes les formes de colonialisme et de racisme pour établir un ordre politique et économique international équitable. Ils sont déterminés à resserrer leurs liens d'amitié et de solidarité sans tenir compte de leurs différences d'idéologie, de régime, de croyance, d'opinion politique, de nationalité et de race, afin de s'acquitter de leur mission devant l'époque et l'humanité. Délégués engagés contre les complots de guerre et la menace nucléaire des impérialistes et pour la paix et l'avenir de l'humanité manifestent leur volonté. D'un monde nouveau, libre et prospère est une tendance irrésistible de l'époque et l'aspiration unanime de l'humanité. Les délégués de la jeunesse et des étudiants du pays frère qui, dans l'hémisphère occidental du globe, ont défendu les acquis de leur révolution sous le drapeau de la lutte anti-impérialiste pour l'indépendance, le drapeau du socialisme, manifestent leur volonté de combattre contre l'impérialisme pour la solidarité, la paix et l'amitié. Thank you.
représente ceux qui ont mené une juste lutte pour défendre leur indépendance et leur dignité nationale, sans succomber à la pression et à la menace des impérialistes. Tous les continents manifestent leur détermination de combattre ensemble pour l'indépendance, l'amitié et la paix. Le festival de Pyongyang est un grand événement marquant le développement du mouvement de la jeunesse internationale, témoignant de la solidarité internationale avec notre révolution. La délégation de Corée, pays hôte, fait son entrée en faisant montre de la grande fierté des jeunes Coréens. La déléguée de la Jeonteop, organisation du million d'étudiants sud-coréens, est venue à Pyongyang animée d'un ardent désir de réunifier la patrie et entre au stade en brandissant le drapeau de cette organisation. Le 13e Festival mondial de la jeunesse et des étudiants s'ouvre en retenant l'attention du monde entier. Le festival regroupe les délégations de 180 pays et les délégués de plus de 60 organisations internationales et régionales. Festival des plus solennels du genre, il verra s'organiser des manifestations politiques, culturelles et sportives. Président du comité coréen pour la préparation du festival prononce un discours de bienvenue. Mohamed Salami, représentant de la commission permanente du comité international pour la préparation du festival de Pyongyang, prononce le discours d'ouverture.
stade a lieu la levée des couleurs du festival. Le drapeau du festival flotte dans le ciel de Pyongyang comme s'il manifestait l'aspiration de la jeunesse à la solidarité anti-impérialiste, à la paix et à l'amitié. Et une fille portant le flambeau du festival entre au stade. Embrase le ciel nocturne de Pyongyang et annonce l'ouverture du festival. Le camarade Kim Il-sung, grand leader, secrétaire général du comité central du Parti du Travail de Corée et président de la République populaire démocratique de Corée, prononce un discours de félicitations. 청년 학생 대표 여러분, 존경하는 세계 여러 나라 땅 국가 수반들과 애국의 선임 여러분, 동지들과 벗들, 나는 제13차 세계 청년 학생 축전이 평양에서 성대히 개막된 데 대하여 기쁘게 생각하면서 전체 조선 인민의 이름으로 축전에 숭고한 이념을 안고 세계 5대륙에서 달려온 청년 학생 대표들과 국제 및 지역 기구 대표들을 열렬히 축하합니다. 레 président Kim Il-sung souligne dans son discours qu'un monde nouveau et libre de l'humanité ne peut être édifié que grâce à la lutte contre les vieilles forces s'opposant à la marche de l'histoire et que la jeunesse et les étudiants de notre temps doivent combattre contre les réactionnaires barrant la route à l'histoire et être les pionniers de leur époque. Insistant sur la nécessité pour la jeunesse et les étudiants des cinq continents de raffermir leur amitié et leur solidarité, le président Kim Il-sung définit les tâches stratégiques qui s'imposent pour développer leur mouvement. Les festivaliers et la foule approuvent chaleureusement le discours de félicitations du président Kim Il-sung qui montre la voie à suivre pour développer le mouvement de la jeunesse et des étudiants du monde entier. Your Excellency, Comrade Kim Il-sung,
President and great leader of the Democratic People's Republic of Korea. Robert Mugabe, président de la République du Zimbabwe et du mouvement des non-alignés, dit qu'il considère son invitation au festival comme un privilège et souhaite le succès du festival, qui sera un tournant décisif dans l'histoire des festivals. Jeunes et étudiants de Pyongyang brossent un immense tableau gymno-artistique symbolisant la solidarité anti-impérialiste, la paix et l'amitié. Les danseurs souhaitent la bienvenue aux amis venus de tous les continents. Enfants désirent vivre heureux dans un monde exempt de guerre. Fanfare exprime le dynamisme de la jeunesse. Est spécialement organisée pour le festival. Elle fait savoir la vigueur de la jeunesse coréenne qui, sous la sage direction du Parti du Travail de Corée, se tient toujours à l'avant-garde des masses. Tambourinaire exprime la volonté générale de resserrer l'amitié et la solidarité de la jeunesse dans l'effort pour préparer le bonheur authentique de l'humanité.
France révèle le désir de la jeunesse de notre époque, attachée à la souveraineté, d'écarter la guerre nucléaire et de préserver la paix. La danse aux pigeons exprime l'ardent désir de l'humanité de voir s'installer sur notre planète une paix durable. La danse au cordon représente l'amitié et la solidarité entre les jeunes gens de tous les pays. Cette danse coréenne invite la jeunesse de tous les continents à la solidarité pour lutter contre l'impérialisme, pour la paix et l'amitié. Cérémonie d'ouverture du festival de Pyongyang, célébrée le plus solennellement dans l'histoire des festivals, manifeste la volonté de la jeunesse des cinq continents de faire progresser le mouvement mondial de la jeunesse contre l'impérialisme, pour l'indépendance, la paix et l'amitié. Le 2 juillet, dans le Palais des études du peuple et le Palais de la culture du peuple et ailleurs, sont ouverts des centres thématiques pour discuter des nombreux problèmes posés par le mouvement mondial de la jeunesse et des étudiants et la vie du genre humain.
Dans le Centre pour la paix, le désarmement, un monde libre d'armes nucléaires et la sécurité, les orateurs insistent pour que tous les peuples épris de paix, la jeunesse et les étudiants du monde luttent contre la guerre en faveur de la paix et pour obtenir la destruction complète des armes nucléaires et des autres armes d'extermination massive. And fresh impetus to the process of disarmament. First indications for the improvement of the international. Les orateurs réclament qu'un terme soit mis à la course aux armements, que le désarmement soit réalisé, que les blocs militaires soient dissous et que les troupes d'agression et les bases militaires implantées à l'étranger soient retirées ou démantelées. Au cours des débats, des tables rondes et des rencontres, les délégués de différents pays évoquent les désastres des bombardements atomiques américains à Hiroshima et à Nagasaki il y a 44 ans et condamnent les complots de guerre nucléaire des impérialistes. Voici la course vers un 21e siècle pacifique. Y prennent part 1200 délégués venus de 100 et quelques dizaines de pays et 500 jeunes et étudiants coréens. Tout au long du trajet, les citadins les acclament. Les participants stigmatisent les maniaques de guerre impérialistes et réaffirment leur volonté de s'unir contre les complots de guerre d'agression de l'impérialisme américain. Ils témoignent leur solidarité avec la jeunesse, les étudiants et le peuple de Corée qui lutte pour chasser les impérialistes américains de Corée du Sud et transformer la péninsule coréenne en zone dénucléarisée et en zone de paix. Les expositions de photos et de presse du club de paix abrité par le centre numéro 1 et les autres expositions témoigne des aspirations de la jeunesse, des étudiants et des peuples à la paix. Édifier un monde nouveau, indépendant, exempt d'impérialisme et de guerre grâce au mouvement de la paix, c'est la volonté et l'aspiration de la jeunesse, des étudiants et de toutes les générations montantes du monde. Vacances internationales relevant du Festival des enfants a lieu un meeting au flambeau sous le mot d'ordre que le ciel reste pur. Le soir du 4 juillet a lieu à Pyongyang un défilé au flambeau des jeunes et des étudiants des 5 continents. Thank you.
Les manifestants expriment leur détermination de rompre avec le monde d'agression, de guerre, de domination et d'asservissement qui a fait souffrir tant l'humanité et de s'unir pour l'indépendance, la paix et l'amitié. Les participants au défilé condamnent les impérialistes qui provoquent partout la guerre et imposent des malheurs et souffrances au peuple. Et ils témoignent une ferme solidarité avec notre peuple en lutte pour la réunification de son pays. Le festival artistique international se déroule dans divers endroits de Pyongyang. Les jeunes artistes de Corée et d'autres pays expriment leurs aspirations à l'indépendance, la paix et l'amitié. Ils réaffirment leur volonté de s'opposer aux impérialistes et de préserver la paix. Ils montrent aussi la vie pleine de rêves qu'ils mènent. Si hay que callar, no callemos, pongámonos a cantar.
Ce festival comprend différentes disciplines, notamment la chanson politique, la musique classique et moderne. Le festival du film a lieu aussi avec succès. Y sont projetés des films décrivant la lutte des peuples, des jeunes et étudiants progressistes du monde pour la prospérité de leur nation et de l'humanité, ainsi que leur vie. Une exposition des beaux-arts a lieu avec plus de 900 œuvres exposées par les délégations de nombreux pays. Les dessins et les toiles d'étudiants et de jeunes peintres progressistes sud-coréens font l'objet de l'intérêt particulier du public. Festival du cirque et de la magie se produisent de jeunes artistes de renommée mondiale de différents pays. De cirque représentant la vie des peuples optimistes et laborieux sont très appréciés du public. Les magiciens vous entraînent dans un monde de rêves. Les prix et les médailles du festival sont décernés aux meilleurs artistes. Dans le stade de football de Sosan se déroule la cérémonie d'ouverture du festival sportif dans le cadre du festival de Pyongyang. Un match de football d'amitié a lieu, selon la tradition, entre l'équipe du pays hôte du festival dernier et celle du pays hôte du présent festival. Gymnase de basketball, de volleyball et ailleurs également, les jeunes sportifs de différents pays font de leur mieux pour cimenter leur amitié dans la lutte pour la solidarité anti-impérialiste et la paix. Dans la patinoire couverte, on admire une représentation de démonstration de patineurs artistiques célèbres de différents pays.
palais des sports de Pyongyang abrite une démonstration de taekwondo. Les sportifs démontrent l'efficacité du taekwondo, sport traditionnel de notre peuple. Au cours du festival, de nombreuses rencontres ont lieu entre les jeunes sportifs de différents pays dans le but de faire aboutir les idéaux du festival. Au parc d'agrément de Mangyongtae et dans d'autres lieux de distraction ont lieu des distractions sportives réunissant des délégations de différents pays et la jeunesse de Pyongyang. Les jeunes des cinq continents y passent un moment agréable en réaffirmant les idéaux du festival de Pyongyang. Resserre les liens d'amitié et de solidarité qui les unissent. Des cadeaux sont offerts à ceux qui ont à fêter leur anniversaire pendant le festival. Plus de 300 jeunes et étudiants d'une centaine de pays ont été invités le jour de leur anniversaire au dîner offert en leur honneur et ils en expriment leur profond remerciement. Les jeunes et les étudiants de différents pays participant aux Jeux à la chaîne renouvellent leur détermination de s'unir sous le drapeau de l'anti-impérialisme et de l'indépendance et de lutter pour édifier un monde nouveau et indépendant. Dans le palais de la culture du peuple fonctionne le centre numéro 2, ayant pour thème la solidarité anti-impérialiste, la libération nationale, l'indépendance, la liberté, l'autodétermination nationale, le progrès social, la démocratie et la dignité humaine. Les délégués dénoncent les impérialistes qui font fi de la volonté des peuples de voir supprimer toutes les formes de domination et d'asservissement et de mener une vie indépendante dans un monde démocratique et pacifique. Les orateurs condamnent les impérialistes, notamment américains, les racistes et les sionistes,
qui, ayant établi un système fasciste pour entraver la poussée révolutionnaire du peuple, réprime cruellement les larges masses laborieuses. Les orateurs condamnent vertement les impérialistes qui répriment sauvagement la lutte des peuples pour leur libération nationale et se livrent à l'intervention armée et à des actes de subversion dans des pays progressistes et des pays en développement. Le délégué coréen intervient. Les orateurs font remarquer que la dignité et le libre arbitre de l'homme sont foulés du pied en Corée du Sud, où sévissent la répression et les actes terroristes de l'impérialisme américain et de la clique fantoche. Des festivaliers visitent le musée de Sincheon qui montre les atrocités perpétrées en Corée par les impérialistes américains agresseurs lors de la guerre de libération de la patrie. Déborde d'indignation en écoutant le récit d'une victime et en apprenant les données montrant le carnage des impérialistes américains agresseurs qui ont tué plus de 35 000 habitants de l'arrondissement de Sincheon, y compris des centaines d'habitants brûlés dans un abri entier. Le tribunal anti-impérialiste, ouvert selon le programme spécial du festival de Pyongyang, accuse sévèrement les impérialistes et leurs laquais d'avoir commis des atrocités un peu partout dans le monde. Le tribunal anti-impérialiste accuse les impérialistes américains d'avoir bombardé sans discrimination des villes et des villages dans des pays nouvellement indépendants. Le tribunal anti-impérialiste et l'audience spéciale stigmatisent les actes d'agression de l'impérialisme américain, défient scélérat à la cause de la paix, et précise que ce chef de file de l'impérialisme perturbe la paix et la sécurité dans le monde et cause des malheurs et des souffrances à l'humanité. Dans le cadre du festival, des meetings de solidarité ont lieu avec les peuples, les jeunes et les étudiants d'Amérique centrale, de la région du Golfe, de l'océan Indien, etc. La délégation de Corée et celle d'autres pays et de nombreux habitants de Pyongyang participent à la réunion de solidarité avec le peuple, les jeunes et les étudiants cubains. Les participants à la réunion et les orateurs condamnent le blocus politique et économique mis par l'impérialisme américain sur Cuba et expriment leur soutien agissant à la lutte que mène le peuple, les jeunes et les étudiants cubains sous le drapeau du socialisme.
réunion de solidarité ont condamné les actes d'intervention, de subversion et de sabotage perpétrés par les impérialistes dans différentes régions du monde et expriment une ferme solidarité avec les peuples, les jeunes et les étudiants progressistes qui accélèrent l'édification d'une société nouvelle sous le drapeau de l'anti-impérialisme et de la souveraineté. Les réunions de solidarité avec les peuples, les jeunes et les étudiants de Palestine, du Nicaragua, de Namibie et d'autres pays manifestent puissamment les liens d'amitié et de solidarité qui unissent les peuples, les jeunes et les étudiants des cinq continents. Pyongyang abrite les clubs nationaux de différents pays qui contribuent au succès du 13e Festival mondial de la jeunesse et des étudiants. Des rassemblements de solidarité, des rencontres, des représentations artistiques, des expositions de photos et d'autres manifestations ont lieu dans ces clubs bien aménagés conformément aux particularités nationales. Les clubs nationaux contribuent à approfondir les sentiments d'amitié et de solidarité. Les jeunes nicaraguayens s'appliquent à édifier une société nouvelle, souveraine et démocratique, tout en défendant les acquis de la révolution contre les agissements des impérialistes américains et des réactionnaires. Les clubs nationaux permettent aux participants du festival de resserrer leurs liens d'amitié et de solidarité. La voix se fait entendre partout en faveur de l'amitié et de la solidarité anti-impérialiste pour la souveraineté. Le festival comprend aussi des réunions de l'amitié entre les délégations. Les représentations artistiques nationales expriment la solidarité avec le peuple coréen dans son effort pour réunifier la patrie. Au cours du festival de Pyongyang consacré à la paix et au progrès du monde, les délégués font un travail bénévole sur le chantier de l'hôtel Ryugyong de style coréen qui fait 105 étages.
Le défilé politique et culturel des jeunes et des étudiants des cinq continents manifeste avec force leur solidarité anti-impérialiste dans leur lutte pour l'indépendance. Chaque visage accuse la volonté de faire du festival de Pyongyang un événement de la plus grande importance dans l'histoire des festivals. Le défilé démontre la fraternité des jeunes et des étudiants qui s'entraident et se soutiennent dans leur lutte pour préserver la paix et la sécurité dans le monde. Le défilé des délégués du 13e festival témoigne de la volonté des jeunes et étudiants des cinq continents d'édifier un monde nouveau, caractérisé par la paix et la souveraineté. Le fleuve Daedong est le théâtre d'une démonstration de sport nautique des jeunes coréens, désireux de contribuer au succès du festival de Pyongyang. Sur le Daedong et dans le ciel de Pyongyang se renouvellent sans cesse des spectacles féeriques consacrés à la solidarité anti-impérialiste, à la paix et à l'amitié des jeunes et étudiants des cinq continents. Les parachutistes décrivent un symbole des cinq continents. Ces huit fées au mont Kumgang expriment la volonté de l'humanité de faire de notre planète un monde pacifique sans nuages nucléaires. Les délégués des cinq continents chantent pour l'amitié et la solidarité, désireux de faire du festival le théâtre d'activité de la jeunesse, de l'époque de l'indépendance. Yeah.
Les différences d'idéologie, de régime, de croyances religieuses, d'opinions politiques, de nationalité et de race n'empêchent qu'ils chantent et dansent pour exprimer leur aspiration commune à l'anti-impérialisme, à la paix et à l'amitié. Nombre de théâtres de la capitale abritent des représentations conjointes des troupes artistiques de divers pays. Représentations artistiques internationales auront largement contribué au développement des arts des peuples progressistes du monde et au renforcement de l'amitié et de la solidarité des jeunes artistes des cinq continents. Les jeunes artistes coréens donnent le meilleur d'eux-mêmes au 13e festival en vue d'honorer cet événement important pour le peuple coréen et l'humanité. Les opéras révolutionnaires, les opéras nationaux, les œuvres musicales, les danses et les numéros d'acrobatie créés sous la direction énergique de notre parti sont hautement appréciés du public étranger. Aux ateliers internationaux de littérature et d'art, on voit des artistes créer en commun un grand nombre d'œuvres dont les vœux de longévité et que Pyongyang resplendisse éternellement.
Plusieurs centaines d'œuvres littéraires et artistiques ont été créées avec pour thème la lutte contre l'impérialisme et la guerre pour la paix et l'amitié. Ce latino-américain présente le chant dédié à la Corée qu'il a lui-même composé. De mi continente traigo una canción a tu salud. Voici le poète âgé de 77 ans, auteur de l'hymne de la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique lors du premier festival, qui récite ses poèmes, un glorifiant Pyongyang et un autre à la louange de la déléguée du Conseil national des représentants des étudiants de Corée du Sud. Des jeunes et des étudiants de différents pays participent à des jeux folkloriques organisés au Mont Taesong. Les festivaliers montrent un vif intérêt à l'exposition d'objets d'art artisanal et des beaux-arts ouverte au parc d'agrément du Mont Taesong. Les objets d'art artisanal exposés prouvent le talent et l'intelligence du peuple coréen. L'animation règne à l'exposition d'objets d'art artisanal et des beaux-arts inaugurés sur le quai du fleuve Taedong. Des milliers d'objets d'art exposés témoignent aussi de l'intelligence et du talent du peuple coréen. Les festivaliers s'exclament devant le talent prodigieux de cet enfant de 4 ans. La foire du festival est le bazar de la solidarité consacré à la collecte des fonds de solidarité pour la paix mondiale et la justice, sert aussi à resserrer les liens entre les jeunes et les étudiants des 5 continents. Au cours du festival, les délégués et les hôtes d'honneur de différents pays visitent plusieurs endroits de la capitale. Pyongyang abrite de nombreux ouvrages architecturaux modernes. Son aspect grandiose et splendide impressionne les festivaliers. Des délégués et des invités d'honneur visitent Mangde, site d'intérêt historique où est né le camarade Kim Il-sung, grand leader du peuple coréen. Des délégués et des hôtes visitent l'écluse maritime de l'Ouest, ouvrage monumental long de 8 km en pleine mer, fruit de la confiance en soi et de l'héroïsme collectif. Des usines sont également visitées. Thank you.
des amis étrangers expriment leur étonnement pour la puissance économique de la Corée qui marche sous le drapeau des trois révolutions idéologiques, techniques et culturelles. Les festivaliers visitent aussi la ferme coopérative de Chongsan et autres qui obtiennent chaque année une belle récolte, ainsi que le métro de Pyongyang construit selon nos plans et avec nos techniques et matériaux. Notre pays pratique le système de soins médicaux gratuits. En visitant la maternité de Pyongyang, établissement moderne, des hôtes forment des vœux de bonheur pour ces triplés nés au cours du festival. Des délégués visitent plusieurs foyers d'habitants de Pyongyang. Cette visite leur permet de voir que les habitants de Pyongyang vivent dans des conditions optimales. Lors du festival, des jeux folkloriques, y compris l'art militaire et la chasse des gens du Goguryeo, sont organisés près du tombeau du roi Tongmyeong. Des jeux folkloriques coréens sont également organisés au parc d'agrément du mont Taesang. Sites d'intérêt historique, ils intéressent les festivaliers. Ces jeux traditionnels datant de l'Antiquité témoignent de l'unité de la nation coréenne et ajoutent à l'atmosphère du festival. La danse paysanne, marquée de la joie d'avoir rentré une belle récolte, reflète la vie laborieuse et culturelle du peuple coréen. Des noces chez le peuple coréen. Les délégués admirent dans ces jeux folkloriques originaux la bonne entente et la courtoisie qui caractérisent la vie des Coréens.
Sur le mont Myohyang, site pittoresque, les festivaliers visitent l'exposition de l'Amitié internationale. Nos amis étrangers visitent aussi les vestiges de l'endroit. Au mont Kumgang, site pittoresque mondialement réputé, des festivaliers passent des moments agréables en partageant leur sentiment d'amitié. Les délégués étrangers visitent Panmunjom, près de la ligne de démarcation militaire qui divise la Corée, ligne due aux impérialistes américains agresseurs. En écoutant une femme qui s'est vue séparer des siens avec la partition du pays il y a près de 40 ans, ils expriment leur ferme solidarité avec le peuple coréen en lutte pour réunifier sa patrie. La journée de la Corée, pays hôte, est marquée de l'amitié et de la solidarité des jeunes et étudiants progressistes coréens et étrangers. Lors d'un rassemblement de solidarité avec la lutte du peuple, de la jeunesse et des étudiants coréens pour réunifier leur patrie en toute indépendance et dans la paix, des délégués appellent à une lutte mondiale pour expulser les impérialistes américains de Corée du Sud et obtenir la réunification de la Corée. Alors que l'aspiration générale à la réunification du pays s'avive, Lim Soo-kyung, délégué du Conseil national des représentants des étudiants de Corée du Sud et le président du comité des étudiants de Corée, publie une déclaration conjointe traduisant la volonté des jeunes et étudiants du Nord et du Sud. Le meeting déborde du soutien des jeunes et des étudiants du monde entier à la cause de la réunification de la Corée. Dans le stade Kim Il-sung, 50 000 étudiants et élèves de Pyongyang présentent des mouvements d'ensemble sous le titre « La Corée d'aujourd'hui ». Cette œuvre génique retrace les exploits accomplis par le président Kim Il-sung, grand leader, et le parti du travail de Corée. Ils ont transformé un pays ayant perdu sa couleur sur la carte en un puissant état socialiste, souverain, indépendant et capable de se défendre par lui-même, et ont permis au peuple coréen de ressentir le plus de dignité et de fierté au monde.
Sous le drapeau des idées du Duce, notre peuple a implanté une économie nationale indépendante sur des ruines. Il remporte d'éclatants succès dans tous les domaines et fait pleinement valoir la supériorité du régime socialiste. Grâce aux thèses rurales publiées par le président Kim Il-sung, chaque année, une récolte abondante s'annonce dans les champs de nos fermes coopératives, tandis que les bateaux de pêche rentrent pleins de poissons en toute saison. Chacun éprouve une vénération sans borne envers le grand leader qui a inauguré une prospérité inouïe de la Corée à l'époque du Joseon. Les peuples du monde entier soutiennent les propositions équitables de notre parti et du gouvernement de notre République en faveur de la réunification. Sous le drapeau de l'indépendance, de l'amitié et de la paix, nos jeunes et étudiants s'uniront avec les jeunes et les étudiants des cinq continents pour édifier un monde nouveau et libre. Ensemble démontre sans réserve la volonté révolutionnaire de notre peuple de rester unis dans une seule pensée autour du parti et du leader pour accélérer l'édification socialiste, la réunification de la patrie et le triomphe de la souveraineté dans le monde. Une représentation artistique intitulée « Les chants du bonheur » est donnée par 5000 personnes dans la Maison de la Culture du 8 février en l'honneur des délégués et des invités du 13e festival. C'est une fresque des exploits révolutionnaires immortels du camarade Kim Il-sung, grand leader, et de la vie heureuse du peuple coréen sous la direction avisée du parti et du leader. Les arts Joseon, leur apogée, fruit de la conduite correcte du parti, fascinent les spectateurs.
une soirée d'amitié a lieu sur la place Kim Il-sung pour célébrer le 13e festival. Promenade en bateau en guirlandais sur le fleuve Taedong réjouit les festivaliers. Les idéaux de solidarité anti-impérialiste, de paix et d'amitié font fi des différences de régime, d'opinion politique, de mœurs, de croyances, de couleur de la peau et de langue. Les chants de l'amitié et de la solidarité retentissent dans cette soirée. Le 8 juillet, une cérémonie de clôture du 13e festival va se dérouler dans le stade du 1er. Le président Kim Il-sung, grand leader, se présente sur la tribune d'honneur ainsi que des invités d'honneur de haut rang venus de divers pays et le représentant de la commission permanente du Comité international pour la préparation du festival. Le camarade Kim Jong-il, membre du présidium du bureau politique et secrétaire du comité central du Parti du Travail de Corée, y est présent également ainsi que des dirigeants du parti et de l'État. Magnifique exprime les vœux de bonheur de tout le monde et la reconnaissance des délégués des cinq continents envers le grand leader et le Parti du Travail de Corée pour l'attention particulière accordée au festival de Pyongyang, premier du genre en Asie. Appel à tous les jeunes et étudiants du monde invités à lutter avec plus d'énergie encore pour la paix, la démocratie, l'indépendance nationale et le progrès social. The 13th World Festival of Youth and Students held in Pyongyang. L'appel signale la mobilisation de nombreux jeunes et étudiants de par le monde pour le 13e festival de Pyongyang. Ils sont invités à continuer sur leur lancée pour réaliser les idées du festival.
Des remerciements sont adressés au peuple, aux jeunes et aux étudiants de la République populaire démocratique de Corée pour l'effort consacré au succès du festival. Un soutien sans réserve est exprimé à la cause de la réunification de la Corée. Choi Ryong-hae, président du comité coréen préparatoire, prononce une allocution. Il fait remarquer la contribution qu'a apporté le festival de Pyongyang à la justice et à la paix dans le monde, en approfondissant la compréhension mutuelle des jeunes et des étudiants de tous les continents, en resserrant l'amitié et la solidarité entre eux. Arax Delgado, membre de la commission permanente du comité international préparatoire, fait remarquer que le festival de Pyongyang s'est déroulé avec solennité sous la devise de la solidarité anti-impérialiste, de la paix et de l'amitié, et déclare le festival clos. Voici des tableaux magnifiques brossés par des jeunes et étudiants pour saluer le succès du festival de Pyongyang déjà historique. Des mouvements gracieux reflètent le bonheur de notre peuple qui mène une vie indépendante et créatrice dans un pays paradisiaque. Le stade respire la joie de célébrer le forum de la jeunesse et des étudiants des cinq continents qui a été une grande festivité pour toute l'humanité. Les flots dansants félicitent les délégués qui ont mis en honneur les idéaux de la solidarité anti-impérialiste, de la paix et de l'amitié.
jeunes acrobates expriment leur enthousiasme et donnent libre carrière à leur talent, créant une féerie. Les chants de l'amitié et de la solidarité résonnent dans ce stade qui jubile pour le succès du festival de Pyongyang, inscrit désormais en lettres d'or dans les annales du mouvement de la jeunesse et des étudiants du monde. Font l'éloge de cet événement qui a permis aux jeunes et aux étudiants progressistes, avenir de l'humanité, de se communiquer leurs idéaux et de resserrer leurs liens d'amitié et de solidarité. Des couleurs du festival. Les participants sont prêts à contribuer à la marche de l'époque du Jajusang et à l'avènement du monde nouveau souhaité par l'humanité.